Bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. On se met un peu distanciation sociale. Alors, petite parenthèse, à chaque fois que je fais des tours à Jérôme, il ne trouve pas, mais l'inconvénient par rapport à vous, c'est que lui, il ne peut pas remettre la vidéo en arrière. Donc, si vous voulez remonter les tours, essayez de vous mettre dans la même condition que Jérôme, c'est vous regardez une fois et vous n'avez plus rien, à part votre mémoire. Donc c'est sûr que c'est si Jérôme je lui refais et refais et refais comme si vous vous mettez en avant en arrière, c'est un peu plus facile à tout rouvrir. Mais là sur le vif, comme ça, sans rien, parce qu'on ne se rappelle plus des choses, c'est plus dur. C'est vrai, tout à fait. La preuve, je lui ai fait un tour d'enveloppe, parce que je croyais qu'il connaissait, c'est un vieux tour, c'est comme les diamants, et il ne connaissait pas. Disons, il dit ouais, je connais, et depuis tout à l'heure il cherche, et comme on n'aura pas le temps de le filmer, et que je ne savais pas qu'il connaissait pas, on s'est amusé à ça. Eh bien, je lui ai laissé le week-end et la semaine prochaine, il me dira s'il a trouvé. C'est tellement facile qu'il n'arrive pas à trouver. Donc, je lui laisse là, on était en plein rush, donc il Enfin, n'avait en pas plein rush. Moi, je suis en plein rush. Toi, t'es assis. le... Moi, je suis assis, lui, en plein rush. Donc, je lui laisse le week-end maintenant et lundi, on verra. Et de toute façon, je vous le ferai. Je ne savais pas que c'était pas connu. Donc, voilà, c'est parti. Donc, là, qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais vous faire une petite... Comment ça s'appelle quand il y a les avions que ça bouge là, que t'es en haut dans les airs? De quoi? Quand l'avion il bouge, que ça va dans tous les sens. Les trous d'air? Turbulence. Ah, les turbulences. Voilà, turbulence totale, turbulence finale, une belle turbulence que je vais te D'accord. faire. Allez alors. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mélanger. Ah, ça c'est et bien pendant que tu déjà. mélanges, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Une fois que tu auras mélangé, je vais me tourner. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un paquet et tu vas compter le nombre de cartes. Et moi, après, je vais te montrer l'autre paquet et tu vas regarder la carte qui correspond. Donc, D'accord. si tu en prends 30, ça sera difficile pour moi de te montrer avec le paquet qui reste la 30e. Ah, c'est logique, il y aura pas assez. Donc, voilà, c'est J'ai pour bien ça que je vais compris. te dire la phrase, prends un petit tiers. Voilà, D'accord. c'est juste pour ça, c'est pas pour te fixer Non, non, sur ce mais chiffre. c'est compréhensible. C'est compréhensible. Donc, tu as tout compris ce qu'il faut faire pour Oui. l'instant? Donc, je me retourne. Et c'est parti pour un tour. Donc, tu mélanges, tu mélanges, tu Oh, mélanges. ça y est, c'est mélangé. Bon, on a été dérangé au moment où il mélangeait. Donc, on refait. Jérôme, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Tu as compris ce qu'il fallait faire? J'ai compris. Alors, tu vas prendre un petit paquet. Et tu vas compter le nombre de cartes. Allez. Et je compte. Et tu comptes. Donc, tu peux montrer à la caméra ou pas. Moi, du Bon, moment c'est que bon. tout le monde sait que je vois pas, c'est le plus important. C'est bon, j'ai compté. Tu as compté, je prends le reste du jeu. Ouais. J'étale les cartes et tu vas compter les cartes une par une pour voir où est ta carte. Mais tu me dis rien du tout. Ok. Elle est passée Ah ou oui, je elle est passée, continue? oui, C'est elle est bon, passée, j'arrête? ouais. Ben, montre-la à la caméra. Elle est passée, elle est passée, elle est passée, elle est passée. Bon, ça te donne une petite indication, peut-être, mais. Bah non. Oui, non, mais c'est sûr que tu sais pas si elle est en quatrième, en dixième. C'est celle-ci. C'est bon? Ouais. Tu prends le tas, tu le poses sur ce qui reste sur la table. Face en l'air. Tu le poses comme il est. Je sais pas comment il est le jeu C'est là. face en l'air, Ah là. ben tu poses sur son l'air. Ok, c'est fait. Et le reste du jeu qui te reste, tu mélanges et tu poses dessus. Je mélange. Et je reste dessus. Ok. Si je me retourne, je vois quelque chose. Oui, tu vois une Alors face. je veux pas voir. Tu remets, tu essayes de bien égaliser pour pas que j'aie de repère. Ça y est. Et tu peux d'abord regarder si c'est un jeu marqué, comme ça au moins on est sûr. Parce que si je le dis, on n'est pas obligé de me croire. C'est bon? Non, c'est pas un jeu Ah, marqué. bon. Donc même si je vois cette carte-là, ce dos-là, ça pourrait me donner comme indication. Absolument rien. Tu peux regarder même la face si tu veux. Tiens, Alors. je te dis la face. Bon, déjà, je sais que c'est. Elle a un dos bleu. C'est pas mal, hein? Alors regarde ce que tu vas faire. Tu vas prendre le jeu Mmh. et tu vas faire des tas, quatre tas, mais comme tu veux. C'est-à-dire tu peux en mettre plus ici, que là, que là, que là. Le but, c'est de séparer le jeu en quatre. D'accord. Ça sert à rien, mais ça perturbe les esprits quand on fait un tour comme ça. Allez, vas-y, c'est parti. Quoi faire? J'attends moi. C'est un peu long l'histoire. C'est bon? Allez. C'est bon. Tu me montres deux tas.
celui-là et celui-là. On fait comme ça, c'est bon? Ou comme ça? Oui, pareil, on s'en fout. Et l'autre tas? On s'en fout, peut-être qu'il y a une importance, mais... Non, mais c'est aucune importance. Donc voilà, deux tas. Regarde ce que tu vas faire, Jérôme. Tu vas prendre un tas, tu vas le retourner. Et tu vas faire un petit mélange en queue d'aronde. Donc par exemple, tu prends ce tas, tu retournes, tu fais queue d'aronde avec celui-là. Lequel je retourne? Celui-là, c'est pareil. Et tu fais un petit queue d'aronde. Ok. Et tu peux couper. Et là, d'après toi, est-ce que... surtout, je ne sais pas combien tu as coupé de cartes au début. C'est ça. Je ne sais pas où elle s'est retrouvée dans quel paquet. Non, le procédé, c'est un protocole, mais ça semble entre guillemets honnête. Enfin, du moins, s'il y a un système dedans, c'est pas mal. Alors, je peux étaler, prendre ta main, faire comme ça, me concentrer, faire des abracadabras. On va essayer de gagner du temps. Je fais ça, je prends ta carte, je la donne et on passe au suivant. On y va? Donc ça veut dire que c'est hyper simple alors. Hop, tiens, je la vois, elle est là. Bim. Jolie. Jolie. Vous auriez dû voir sa tête d'abord. Tiens, de moi. C'est joli. Tap. C'est... Ouais, mais j'essaie de partir sur l'idée de... Et de l'autre. Sur l'idée et de l'autre, c'est mais... C'est complètement différent, donc... Mais l'idée de l'autre, non, ça peut pas... C'est... Enfin, du moins, comme ça, pareil, je vois pas, là. Du premier coup, je vois pas. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une carte repère, je vois pas. Qu'est-ce que tu repères? Je vois pas qu'est-ce que tu repères. C'est vrai que le fait de poser les cartes une par une n'importe où, là par contre, ça c'est fort aussi par contre. Non, ce que tu vas faire, c'est réfléchir à la maison. Tu pourras même regarder la vidéo avant. Ben non, tu vas savoir l'explication, c'est dommage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au suivant. Parce que là, tu sais que quand tu as retourné, j'ai pu prendre un point de repère, tout ça. Ouais, je pense pas, mais bon. On sait jamais. Donc on va le refaire sans point de repère. Tu prends ce paquet, tu le coupes où tu veux, à 3 cartes, à 10 cartes, à 20 cartes, à 30 cartes. Tu regardes la carte du dessous, tu retournes et tu fais que d'arrondir pareil. Et tu. Mais je fais tout ça les yeux derrière. Ok. Allez. C'est bon? Ouais. Et donc je retourne mon paquet que j'ai coupé. Voilà. Passe en l'air. Tu as vu la carte, tu la montres. Ouais, donc là la carte, elle est. Si tu tournes, tu la vois. Je la vois pas moi. Et je mélange. Oui, donc elle est couleur n'importe où. J'ai essayé de mélanger plein de principes pour... Et je coupe? Oui. Voilà. Voilà, tiens. Donc là, pour la retrouver, ça va être galère. Allez, une dernière fois. Oh. Je coupe sur 4-3. Allez. Qu'est-ce que je vais faire? Là, pareil, je vais étaler, je vais prendre la carte et ça va aller très vite. Alors, je peux le faire de plein de façons. Ça, vous choisirez vous-même votre façon. La meilleure façon, parce que là, ça a été rapide. Et j'ai rien vu. J'ai zéro point de repère, là. Donc, on fait comme ça. C'est un petit peu plus... On fait... Hop, là. Et bim. C'est ça. C'est ça? Et voilà. Donc, j'ai essayé de mélanger plein de trucs à la fois pour pouvoir finir tous les tours qu'on a fait avant et qu'il manquait quelques petits tours en plus sur le même thème. Donc là, tous ceux qui ont acheté l'ancien, ils vont pas comprendre celui-là, parce que c'est plus du tout les mêmes principes, alors que c'est les mêmes choses. On retourne que d'arronde, et c'était au moins, on fait un apprentissage de tout ce qui... Pardon la caméra si ça a bougé. Manque. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Est-ce que tu veux que je te le refasse? Le premier, là, je pense celui-là avoir capté. Mais le premier, oui, non. Alors, le premier, non. La deuxième, je l'ai. Alors, je te refais le premier. Je voulais voir comment tu t'en sortais, mais quand tu as étalé, j'ai compris. Je suis tellement pressé de finir. Alors, j'ai pris 3 feuilles pour pas que tu vois au travers. Et je vais faire une prédiction à l'avance. On ne voit pas au travers. Hop là. Non, je te confirme, on voit pas à travers. Prédiction. Donc, je les ai fait à l'avance. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord que tu mets des papiers à l'avance. Hop là. Et maintenant, on va refaire exactement le même tour que le premier. Tu coupes, tu comptes le nombre de cartes. Mmh. Et je te montre, tu repères ta carte et... D'accord. Et voilà. Ok? Ok. Alors... Vas-y. Donc là, je peux mélanger? Tu peux mélanger. D'accord, ok. Ça continue bien, alors. Allez, je coupe. Je compte. Oh,
Voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais, que c'était le même nombre que tout à l'heure. Ah ben change si tu Donc, veux. ben, mais j'en ai repris quelques-unes. Ou D'accord. enlevé, tu sais Je pas. sais pas, je peux prendre le tas. Oui. Pareil, je peux me retourner. Oui. Allez. Tu as compris le principe? Oui. Elle est passée, hein, déjà. Je m'arrête? Ouais. D'accord. Voilà. Montre à la caméra. Celle-ci. C'est bon? Pose-le sur la table. Je pose ça où? Pose ici, là. Ton jeu aussi. Tiens. Pose. Mon jeu est là. Vas-y, pose. Hop. Et voilà. D'accord. Pas d'embrouille. Alors. Regarde ce qu'on va faire. Tu vas. Tu es d'accord avec moi que pour que je retrouve ta carte, là, combien j'ai de chance sur un jeu de 52? Ben, 52. Donc, pour pouvoir m'aider, il faudrait que je le sépare en deux pour avoir plus de chances de la retrouver. Si à la moitié Ah du ben, jeu. si tu sépares le jeu en deux, on va dire que c'est une chance sur deux, mais tu as maintenant 26 chances de tomber juste ou 26 chances de tomber faux. Oui, donc ça réduit quand même, mais ça se rapproche de la vérité. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est que tu vas prendre le jeu, tu vas mettre une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche. Tout ce qui est là, on jette. D'accord. Tout ce qui est là, on garde. À tout ce qui est là, on jette. Oui, tout ce qui est là, on jette. Ok. Donc, mais avant ça, je te dis, tout ce qui est là, on s'en servira plus. D'accord. Donc, tu vas choisir ta prédiction. Tu me montres un papier, on le laisse comme il est, et on verra à la fin. Celui-là. D'accord. Une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche. On débarrasse et on regarde si ta prédiction elle est Ok. bonne. Je connais pas ta carte, je peux pas la connaître. Ben là, c'est oui, tu peux pas la connaître, ça c'est sûr. On y va? Donc, comme on avait prévu, ça, on vire. Ça veut dire que Maintenant, si elle est dedans, c'est foutu. C'est déjà pas mal si elle est là. j'ai plus de chances de la retrouver si elle est là. Ah, de là, t'as plus de chance. Une chance sur 26. Celui-là, tu le veux, celui-là, tu ne le veux pas. Tu sais ce que j'ai marqué là? 6. Ok. D'accord? On aurait pu dire 9, mais si vous voulez, on fait 6 et 9 pour vraiment pas qu'il y ait d'embrouille. On va compter 6. C'est marqué en thaïlandais ou quoi? 1, 2, 3, 4. Ah non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que c'est ta carte? Absolument pas. Non, puisque tu n'as pas choisi 6. On ne sait jamais si c'était 9. 7, 8, 9. Absolument pas. Ça non plus. Non. On va regarder là. Ah là, ah, ça c'est ta carte. Oui, ça c'est ma Ouais. carte. 16. Donc là on est à Je sais plus. 9. 6, 10. ouais. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais. On va regarder ici. 22, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est pas ça? Non. Donc soit elle est là, Ouais, c'est un miracle. soit elle est là. Et ça sera encore plus fort. C'était quoi ta carte? J'avais tout ce que je. C'est 4 de Tu l'as carreau. remontré de toute façon. 4 de carreau, ouais. 4 de carreau. Joli. C'est pas mal. C'est pas mal cette histoire. C'est pas Regarde, mal. 16. Pourquoi Ouais, 16? voilà, c'est forcément un truc où t'as une autre sortie, hein, parce que. Allez, c'est quand même mieux, ça. Si j'avais choisi là, t'aurais fait quoi? T'aurais coupé, t'aurais rajouté des J'ai cartes? dit ça, on s'en sert plus. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est fort. Et C'est. dans tous les cas, j'aurais compté du Oui, dessous. non, J'ai mais jamais c'est du très dessous. fort. Mais là, bon, je sais très bien que forcément ma carte ne va pas se trouver à 3 temps de placement. Non, mais c'est parce que tu as choisi 16, Oui, oui, parce oui. que j'y peux rien. Non, mais c'est génial. Hein. C'est génial parce que c'est effectivement très fort. Du moins, celle-là de sortie, elle est exceptionnelle. Parce que c'est très clean. Si les autres sont identiques, c'est beau. Voilà, c'est pour clôture. C'est Alors, joli. ça, c'est. Très, Alors, très joli. 44, donc ça va être le 45 et le 46. Mais pour pas faire 45, 46, j'ai fait les deux ensemble. J'en ai rajouté un, ça fait un petit bonus. Et ça sera 45, 46 pour le même prix. Et ça fait plaisir. Voilà. Disons, j'avais pas envie de les dissocier, de les faire séparément. Je trouve qu'ensemble, ça va bien.
parce que ça coordonne bien. Tiens, depuis, on n'en a fait que 44, 45, 46. C'est ça. Depuis le confinement ? Ouais. Alors, on trouve juste un tous les 7 jours. Ben, on en a beaucoup, mais on n'a pas le temps de les faire. Ouais, regarde l'enveloppe. On est des tocards. Hein. On est des tocards. On a l'enveloppe, j'ai de l'enveloppe à te faire si tu as trouvé ce week-end. Ouais, ils sont meilleurs Magic Dream. Magic Dream ont plus que nous. Hein. Bon, allez, explication, tu leur fais les. Je te l'explique, tu leur expliques. Et comme ça, on gagne du temps. C'est parti. Je te laisse chercher ou pas ? Ouais, non, mais je pense pas que je le trouve. Oui. Alors, en si peu de temps, je pense pas ça, que le deuxième, je l'ai trouvé. C'est que t'as pas de marche arrière. Mmh. Donc, t'as un inconvénient. C'est ça, je sais plus les paquets dans quel sens tu l'as mis. Même si je le remonte, il suffit que je me trompe d'une carte, d'un truc, c'est terminé. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est balèze. Hein. Ils sont jolis à voir. Ouais, c'est balèze parce que. C'est propre, c'est très propre. C'est vrai que voilà, je vois que là tu vois rien, je vois que. Qu'il n'y a pas de jeu marqué, qu'il n'y a pas de. Donc, pas de jeu marqué, jeu emprunté, c'est ça qui est bien. Donc ça veut dire que tu dois compter ou faire, forcément prendre un repère, mais pourquoi à chaque fois ça tombe bien avec tout ce que je fais? C'est vrai que le protocole est sympathique. Donc, si je vous dis qu'il n'est pas marqué, ça ne sert à rien de m'appeler, de dire est-ce qu'il est marqué parce que avec marquage j'ai une idée. Est-ce que c'est un jeu rangé parce que. Non, c'est un jeu emprunté, mélangé. Donc ouais, c'est pas la peine de m'appeler pour me demander. J'ai une solution, mais avec un jeu marqué ou j'ai une solution avec un arrangement. Pas d'arrangement, jeu mélangé, jeu emprunté, et c'est parti pour le tour. On remercie David parce qu'il m'a donné quelques petits tours, et je les ai faits à ma sauce, et je suis sûr que il va être dans la panade. Voilà. Il m'a donné des idées, j'ai combiné avec les miennes, et ça a fait ça. Eh ben, allez, super. On dit merci à tous, à bientôt, au revoir, bye bye, et à la prochaine. Nous, en tout cas, on se régale de les faire et on remercie tout le monde de nous suivre et de nous dire merci parce qu'il y en a beaucoup qui nous appellent, qui nous remercient, qui nous félicitent. Ça fait toujours plaisir. Donc, on continue à vous faire plaisir malgré que y a beaucoup de boulot et qu'on a autre chose à faire pour l'instant. Donc, on fait des petites pauses comme ça pour s'amuser. On se le permet. Allez, à bientôt.